Vous aurez certainement vos explications rationnelles, mais vous allez maintenant m'ensevelir sous vos sarcasmes. Non, mon Dieu, non. Ma foi, une petite chose de même. Vous dites, l'obscurité descend sur nous, nous nous endormons l'un après l'autre. Bien, il est 8 h du soir, et la règle veut qu'en effet, à cette heure-là, il commence à faire sombre. Et si, comme ils le disent, alerte anti-pollution dans les bonnes amies, moi, il y a de fortes chances que je m'endorme. Mais autrement, je n'ai aucune objection de type rationnel. Et même, mon rationalisme m'empêche de me prononcer sur une question de ce genre. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de la mort? Je n'ai jamais vu que de ce côté-ci, du côté des vivants. Est-ce que je sais comment on la voit quand on est de son côté à elle? Comment puis-je prouver, moi, que ce que vous dites, vous, n'est pas vrai? Je n'ai aucune expérience en la matière. Ce serait bien la première fois que je meurs. Et s'il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'avancer des hypothèses aussi drastiques. Moi, franchement, j'étais venu pour mon livre. Et il se trouve que c'est un livre que je tiens. Mais j'y tiens en tant que vivant. La gloire posthume, d'accord, c'est bien joli, mais le plus tard possible. Vous dites que nous sommes morts, je ne peux pas prouver le contraire, donc on verra. Mais si demain, les terminales alignées arrivent et me disent, mon cher Saturnaro, avec de paix, voici vos épreuves, je les prenne, les corrige, les lui rapporte, que mon livre sorte et sorte, et se vende à 20 000 exemplaires, que je parte à une belle croisière sur les tropiques, sur un bon navire sans aucun mystère, peut-être même avec une belle blonde comme je les aime. Alors, mon cher monsieur, je ne sais trop comment, je me permettrai de vous envoyer une belle carte postale où j'écrirai de la mer des Caraïbes, avec mon meilleur souvenir, au plus grand sorcier porte-quoi, sans merdeur, casse-couille, et un meilleur que j'ai jamais vu de ma vie. Oh, vous êtes nerveux? Non, je ne suis pas nerveux, je suis très calme, mais vous rendez-vous compte, il y a une alerte anti-pollution, d'accord, mais alerte tout de même. Moi j'ai le cholestérol qui grave, toute ma famille fait d'hypertension héréditaire, en plus de charge d'une tête, d'une tente qu'un cancer. Et comme si ça ne suffisait pas, dans le journal du jour, tous les matins, il n'est question que de sida. Et attention, hein, pas réservé à l'un ou à l'autre comme au début, non, sida pour tout le monde, et allez-y. Et vous, depuis une demi-heure, quand vous êtes pas le vous ne faites que nous casser les couilles. C'est le premier. Bientôt ce sera notre tour.